Le Tennis Club Oval a été fondé en 1995, donc c'était il y a 35 ans. À l'époque, c'était un petit bâtiment qui était, donc, par rapport aux deux terrains qui étaient initialement construits. Bah, entre-temps, comme le club il a grandi, on a donc décidé ensemble avec la commune de démolir en début de cette année, en février, le bâtiment existant et donc de passer à la construction d'un nouvel bâtiment adapté à nos besoins. Et donc maintenant, je pense qu'on peut dire qu'on a une infrastructure qui est adaptée à notre niveau, étant un des clubs principaux du pays. Et donc on est très content d'être maintenant dans nos nouvelles infrastructures. Le Tennis Club Ovalde a participé à cette construction d'une manière non négligeable, quelque chose qui nous est possible grâce notamment au principal sponsor qu'on a. Et donc, c'est vrai que sans un sponsoring, une collaboration sur plusieurs années, un partenariat avec les sponsors, c'est difficile pour un club comme le nôtre de survivre. Et donc, il est indispensable pour nous d'en avoir. On est très content de pouvoir compter sur des sponsors comme SGG notamment. Notre sponsoring pour le Tennis Oval, c'est fait tout simplement parce que c'est un club qui est extrêmement dynamique et qui a une école de tennis pour les jeunes dans laquelle ils ont une centaine de participants. L'école de tennis est quelque chose qui coûte beaucoup d'argent au niveau des entraîneurs. Et donc, nous pensons que c'est une bonne chose de supporter le Tennis Club Oval. Ça cadre parfaitement avec ce que nous voulons faire chez SGG. Nous pensons également que le plus important, c'est que ces jeunes aient une utilisation judicieuse de leur temps libre qui leur est effectivement donné par le sport. On ne fait pas ça pour nécessairement avoir un club qui devient champion de Luxembourg. Mais bon, c'est un des clubs leaders du pays. Parmi nos résultats, je pense ce qui nous fait très fiers, c'est que notre équipe d'âme, elle a été champion du Luxembourg en 2008. Et à côté de cela, au niveau individuel, on a quelques joueurs qui font partie de l'équipe Davis, donc notamment Laurent Bram qui joue depuis plusieurs années, Roman Margolis qui avait aussi des sélections. Et bon, d'un point de vue général, on a nos meilleurs joueurs sont classés dans le tout haut niveau au Luxembourg, donc dans les premières catégories, dans les premières places du ranking national. Et la même chose compte pour les jeunes. Donc on a plusieurs jeunes joueurs qui évoluent dans les cadres nationaux de la fédération, qui font partie des meilleurs de leurs catégories d'âge respectives.